répertoire actuel. Mais c'est une chanson qui me tient beaucoup à cœur et c'est pour ça que je voulais qu'elle soit présente sur l'album. Et du coup, qu'on joue jusqu'à aujourd'hui. C'est une chanson que j'ai écrite quand j'étais à l'université à Tunis, quand j'étais plus précisément sur le trottoir de l'université. Parce que j'ai fait une université, une école de design. Donc nous étions les futurs designers et artistes de la Tunisie. Et on n'avait rien. On n'avait pas de lieu pour échanger, pour jouer. Il y avait des espèces de hangars en guise de salle de classe. Bref, je ne vais pas me plaindre. Mais du coup, j'ai écrit cette chanson pour parler de la Tunisie qui, à ce moment-là, me paraissait mesquine, ça veut dire pauvre, à ce moment-là, parce que plusieurs choses. Et la chose qui me choquait le plus, c'est que, bien sûr, les gouvernements, ils essayent de mieux, plus diviser et plus faire peur pour pouvoir régner. Et les gens, en fait, ils commencent à développer une espèce de peur. Mais au-delà de la peur normale, une peur stupide. Et ça, en fait, ça me faisait vraiment révolter, plus que le gouvernement lui-même. Et donc, ils disent tous n'avoir peur que de Dieu, et au final, ils ont peur de tout, sauf de Dieu. Donc, j'ai écrit cette chanson, je dis « Pauvre Tunisie, dans tes prairies, tu erres, triste. » Et j'espère que la Tunisie ne sera plus jamais mesquine, parce qu'il est temps qu'elle se relève. Mais pour ça, tout le monde n'est pas d'accord. Mais en tout cas, même si Tunis n'est plus mesquine, cette chanson est pour la mémoire, parce qu'il est important d'écrire la mémoire de notre pays. Ça s'appelle « Tunis est mesquine, pauvre Tunisie ».